Je viens devant ta face, accueille-moi dans ta présence. Je viens contempler la beauté de ton éclat. Usi mifiche uso wako Bwana, yowe ndio namhitaji kupita vyote. Basi nikaribie Mungu chase moyo wangu. Amen. Je regardais avec mon cœur la beauté de mon sauveur, en qui tout n'est que splendeur. Je viens et j'y voyais sur une toile les couleurs de nos espoirs. Quand on dit soyez bénis, ça veut dire si tu ne dormais pas avant le sommeil, c'est la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il dit que Dieu vous bénisse richement. Amen. D'autres personnes, il a tout, mais il ne dort pas la nuit à cause des soucis. Amen. Le stress. Alléluia. Amen. Quand on dit soyez bénis, ça veut dire Dieu t'enlève le stress, c'est une bénédiction. Amen. Parce que ce corps n'est pas fait pour le stress. Amen. Mais le stress, c'est le diable qui veut détruire le corps. Alléluia. Amen. Mais quand Christ est là, il te donne la paix. Amen. Tu dors comme un bébé. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Amen. Nous allons commencer. Donc, le thème de cet après-midi, le sceptre. Amen. Amen. Je vais écrire. Genèse 49, 9 à 11. Genèse, chapitre 49. Et verset 9. Jusqu'au verset 11. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Judas était jeune lion. Tu reviens de carnage, mon fils. Il ploie les genoux et il se couche comme un lion. Comme une lionne, tu le feras lever. Les spètes ne s'éloigneraient point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le chiot et que le peuple lui obéisse. Attache à la vigne son âne. Alléluia. Amen. Et au meilleur cep, le petit de son ânesse. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour la lecture de la parole. Que ta bénédiction puisse accompagner cette parole, Seigneur. Je suis un humain, je viens parler devant les saints. Mais cette parole est sainte. Cette parole qui a créé le monde. Cette parole qui a donné la vie. C'est pour cela que je veux que tu puisses nous bénir derrière cette parole. Car la lecture littérale ne peut pas donner la vie. Mais c'est la bénédiction qui est la révélation qui peut transformer notre caractère à travers cette écriture. C'est pour cela que j'appelle le Saint-Esprit, l'auteur, compositeur et l'écrivain de cette écriture, devenu l'interpréter selon les détails cette parole afin qu'elle soit la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit contraire à la volonté du Père en ces lieux, car la Bible dit tout lui est soumis. Seigneur, que tout esprit, toute personne soit soumis devant l'autorité de Jésus-Christ en ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste la force et ta puissance. Que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui sont affligés soient consolés. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ceux qui attendent reçoivent.
au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta bénédiction, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais essayer d'expliquer le mot sceptre. Le sceptre, c'est un bâton de commandement. Quand vous suivez le film de Moïse, il a un bâton. Alléluia. Amen. C'est ce bâton en français qu'on appelle le sceptre. Ça symbolise l'autorité, le pouvoir, l'action d'ordonner et de faire accomplir quelque chose. Vous êtes avec moi? Amen. En Afrique, il y avait un président au Congo qu'on appelait Mobutu. Vous connaissez Mobutu? Amen. Il est mort il y a 20 ans de cela. Amen. Amen. Il avait un bâton. Les gens ne comprenaient pas ce que ça veut dire ce bâton-là. Ce bâton a montré l'autorité de Mobutu sur tous les territoires d'Israël. Alléluia. Amen. Donc le pouvoir de commander était sur ce bâton. Quand vous voyez seulement, vous croyez que c'est seulement la décoration. Non, ce n'était pas la décoration. Il montrait que tout le pouvoir d'Israël est entre mes mains. Qui peut dire amen à ça? Amen. Donc, les sept des commandements, les empereurs anciens, les rois anciens, les Charlemagne, ils avaient les sept qui montraient l'autorité. Il y a d'autres qui ça pouvait être en or. Il y a d'autres, ça pouvait être en bois ou en argent, mais ça symbolisait le pouvoir de gouverner. Alors, ici, c'est Jacob qui est en train de bénir ses enfants. Il nous parle de Judas. Je vais quand même élever l'équivoque. Le Judas qu'on parle ici, ce n'est pas Iscariote. Hein? Ce n'est pas Iscariote. Iscariote, c'est celui qui avait vendu Jésus. Mais ici, les Judas qu'on parle là, ça n'a rien à voir avec celui-là. Alléluia. Amen. Parce que il y a certains, il y a trop de mélanges dans la Bible aujourd'hui. Celui qui parle des Judas là, lui croit que c'est Judas Iscariote. Non. Ça, c'est il y avait ici, donc peut-être 8000 ans avant Judas. C'est un fils de Jacob. Donc Jacob, en tant que père, il avait 12 enfants. Avant sa mort, il veut maintenant bénir chacun de ses enfants. Il arrive celui-là, il bénit, il prononce les paroles de bénédiction. Il arrive chez l'autre, il bénit, il prononce les paroles de bénédiction. Arrivé c'est Judas, il dit, Judas, tu es un jeune lion. Alléluia. Amen. Il dit, les sept de commandement ne s'éloignera jamais de ta main. Donc en Judas, il a donné le pouvoir de gouverner, l'autorité sur tous ses autres enfants. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'un bon père ou un bon parent doit avoir des bonnes paroles prophétiques sur ses enfants. Amen. Mais aujourd'hui, les parents disent n'importe quoi sur leurs enfants. Oh, j'ai eu un enfant, mais. J'ai enfanté un enfant, mais je n'ai pas donné mon cœur. Mais tu es en train de le maudire. Alléluia. Amen. Cet enfant-là, ah, celui-là, il sera seulement un voleur. Là. Oh. Mais un père, c'est un prophète pour son enfant. Qui peut dire amen? Amen. Bon, tu dis que celui-là, il sera voleur. Il sera voleur. Après, tu dis, je savais. Non, c'est toi qui as rendu voleur. Amen. Un bon père, quand tu l'observes, tu dis, oh, celui-là. Ça, c'est béni, la liste bénie. Amen. Tu seras toujours béni. Alléluia. Amen. Donc, ces paroles-là deviendront vie. Amen. Jacob a commencé à bénir un à un. Arrivé à Jida Lyon, ça, c'est un jeune lion. Parce que comme vous voyez dans la forêt, le lion a le sceptre de commandement. Qui me dit amen? Amen. Parce qu'un lion, même si un éléphant est devant lui, l'éléphant fuit. Mais le lion n'attaque jamais l'éléphant. Mais l'éléphant, dès qu'il voit le lion, il s'écarte. Alléluia. Amen.
Il dit, je ne veux pas de problème avec lui. Parce que l'éléphant sait, malgré qu'il est gros et costaud, il sait que le cercle de commandement dans la forêt est entre les mains du lion. Qui peut dire la même? Donc, le cercle de commandement, alléluia, amen. On ne donne pas ça à tout le monde. Amen. Ce n'est pas quelque chose de gratuit. Ça se mérite. Amen. On ne peut pas donner le sceptre au lapin. Il va faire quoi avec ça? Il n'a même pas la force. Alléluia. Amen. Alors, quand nous évoluons dans la continuité des fils d'Israël, parce que Jacob c'est Israël, quand les enfants d'Israël ont établi un état, ils avaient besoin d'un roi. Tu peux dire amen. Amen. Donc, dans la logique, ce roi devait venir de la tribu de Juda. Parce que ça devait être l'accomplissement de la prophétie de Jacob. Mais Saul, le premier roi d'Israël, est venu de la tribu de Benjamin. Alléluia. Amen. Il y a un problème. Alléluia. Amen. Mais Jacob, Israël en tant que prophète, il a dit, Juda, le sceptre de commandement, ne s'éloignera pas de ta main. Ça veut dire, quand il parlait à Juda, il parlait aux descendants de Juda, de génération en génération, qui étaient dans le règne de Juda. Alléluia. Amen. Même s'ils n'étaient pas encore venus, mais il les avait déjà donné l'autorité. Mais quand le problème royal est venu, on a donné le bâton à Saoul. Alors Saoul est de la tribu de Benjamin. Alléluia. Amen. Mais est-ce que la Bible a menti? Ou bien Jacob était un faux prophète? Qui peut dire amen? Amen. Parce que quand un prophète dit quelque chose, cela doit s'accomplir. Amen. Mais Jacob a dit que le sceptre doit être dans les mains de Juda. Mais le premier roi d'Israël, c'est un Benjamite. Il y a un problème d'accomplissement. Alléluia. Amen. C'est là où nous allons ouvrir la brèche. Amen. Vous savez, une prophétie, si elle est de Dieu, elle est obligée de s'accomplir. Amen. La prophétie de Jacob était de Dieu. Amen. Il fallait que Juda puisse avoir le bâton de commandement. Mais le bâton est venu chez Saoul. Ça, on appelle ça les ajustements protocolaires. Alléluia. Amen. Ajustements protocolaires. Vous savez, par exemple, je prends ce marqueur. Je vais le donner à Sœur Belinda. Vous me suivez? Amen. J'ai dit, donne ça à Belinda. Je vais lui donner. Amen. Amen. Remets-moi encore. J'ai dit, donne ça à Belinda. Garde ça un peu. Garde ça. Si on me dit, où est le bâton? Je dirais, je l'ai donné à Belinda. Qui peut dire amen? Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans ma tête, Gloria n'est pas là. Qui peut dire amen? Amen. Il est le porteur. Alléluia. Amen. J'ai dit, si quelqu'un me demande où est le marqueur, j'ai dit le marqueur, je l'ai donné à Belinda. Mais dans le laps de temps, avant que le bâton arrive là-bas, il est encore dans les mains de Gloria. Alléluia. Amen. C'est ça les ajustements protocolaires. Qui peut dire amen à ça? Amen. Promesse de la vie, si ça n'accomplit pas encore, ce n'est pas que ça ne viendra pas, non, c'est un ajustement protocolaire. Alléluia. Amen. Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Amen. Donc lui, avant d'amener ça là-bas, il y a toujours le temps. Oh, Dieu ne compte jamais le temps. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans le temps. Le temps, c'est pour les humains. Amen. Dieu est éternel. Il n'a ni commencement, ni fin. Donc, il n'est jamais jeune, il ne vieillit jamais. C'est nous les humains, tu commences bébé, tu deviens comme moi, avec les cheveux blancs, tu vieillis et tu te détruis. Alléluia. Mais Dieu n'est pas dans ses temps. Il sait que j'ai déjà donné à Belinda. Il m'a dit non, Belinda n'a pas encore ça, donc je lui ai donné. À
qu'il a fait seulement un laps de temps. Alléluia. Amen. Saul était un pauvre. Qui peut dire amen à ça? Amen. Saul n'était pas un bandit. Si tu vois Saul et David, David a tué les gens plus que Saul. Alléluia. Amen. David a pris la forme de son lieutenant. Ah, qui peut dire amen à ça? Amen. Mais David était un brigand. Saul était un bon roi, un gentil garçon. Alléluia. Amen. Mais le bâton de commandement ne lui était pas destiné. Certaines personnes ont des choses qui ne sont pas les leurs. Amen. Alléluia. Amen. Saul a fait une bêtise. Le Seigneur a dit, par son prophète, il va chez les Amalécites. Tue tout le monde. Du plus vieux au plus petit. Du plus riche au plus pauvre. Le troupeau ne parle rien. C'était aussi simple que ça. Quand il est allé, il dit, non mais, ce veau-là, il est gros. Hein? C'est là on peut l'épargner. Oh, mais Dieu, on dirait qu'il avait fait une erreur. Alléluia! Amen. Comment il peut-il qu'on tue ça, hein? Ça, c'est quand même un roi. Donc, il a commencé à réfléchir comme un homme. Dieu lui a dit, aujourd'hui, je t'ai retiré le bâton de commandement. Alléluia. Amen. Mais quand Samuel a prononcé cette parole, il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Comme tu as désobéi, aujourd'hui, tu n'es plus roi. Mais demain, il était encore roi. Amen. Ah. Amen. Tu peux dire amen à ça. Alléluia. Amen. Samuel lui a dit, Dieu a dit aujourd'hui, tu n'es plus roi. Mais demain, il a porté encore les vêtements royaux. Le même Samuel est allé voir David. Qui peut dire amen à ça? Amen. Il dit aujourd'hui, on t'a établi roi d'Israël. Mais il est encore dans la forêt. Alléluia. Amen. Ça c'est la façon que Dieu fonctionne. Amen. Dieu ne fonctionne pas comme nous les humains. Alléluia. Amen. Dieu n'arrache pas quelque chose comme nous les humains. Moi, si je t'ai donné ma voiture, en cas de contradiction, je dis, donne mon crayon. Je prends ça comme ça. Je dis, vas-y. Mais Dieu n'arrache pas comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il te laisse avec ça. Mais il enlève la vie qui est dans la chose. Tu peux dire amen à ça. Amen. Donc, tu prends mal la chose, mais la chose est en train de mourir au fur et à mesure. Après quelques temps, elle n'a plus de vie. Alléluia. Amen. Ça veut dire, David était encore dans la forêt. Mais spirituellement, Dieu lui avait donné le spectre de commandement. Amen. Donc, devant Dieu, David était déjà roi. Alléluia. Amen. Or, David est issu de la tribu de Juda. C'est l'accomplissement de la prophétie de Jacob. Amen. Car Dieu est esclave de sa parole. Alléluia. Amen. C'est pour cela que quiconque peut me dire des choses. Mais ainsi dit l'Éternel, je dois toujours le saisir. Amen. Parce que ça ne rate jamais. Ça ne rate jamais. N'importe où. Alléluia. Amen. En Afrique, en Asie, en Océanie, ça ne rate jamais. Même en enfer. Amen. 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 Les signes de l'Éternel doivent s'accomplir. Amen. Amen. Saoul était là. Allez, vous là, faites ça. Je disais, les gars, c'est là, il n'est plus roi. Mais les gens disent, oh, le roi Saoul. Oh, quel roi. Les anges m'ont dit, mais Seigneur, le roi d'Israël a fait, c'est quel roi Saoul, oh, mais il n'est plus roi. Non, il est encore en train de diriger. Ah, vous aussi. Il n'est plus roi. Amen. Le roi d'Israël est derrière les troupeaux. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la façon que Dieu intervient, c'est pas comme les hommes. Les hommes, si tu as une maladie, ils doivent faire une chirurgie. Enlever. Alléluia. Amen. La maladie. Donc, qui est en toi? Mais Dieu, il dit seulement quelque chose. La vie qui est dans la maladie commence à se détruire. Il n'a pas besoin d'intervention chirurgicale.
Quand il est passé, alléluia. Amen. Il a vu un figuier. Il a voulu cueillir comme ça, il dit qu'il n'y a rien. Si c'était toi et moi, on allait prendre la hache. Toi, tu ne donnes pas le figuier. On s'est coupé. J'étais dans ma tête, dans mon cas, ça peut pas me boire dans la moto. Vous voyez comment le nom agit? Alléluia. Amen. Il dit, bon, il donne pas le fruit, il faut que je coupe. Mais Dieu n'a pas besoin de couper. Il a dit, aujourd'hui, on ne mangera plus le fruit qui sortira de toi. Amen. Alléluia. Amen. Et il a pour lui passé. C'est pour cela l'intervention de Dieu n'est pas physique. Amen. Elle est spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela un vrai homme de Dieu ne force jamais. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est comment ça force, c'est les biens physiques. Amen. Mais Dieu n'est pas physique. Amen. Dieu est surnaturel. Amen. Non. Amen. Non. Amen. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Amen. Il dit, on mangeait plus de fruits aujourd'hui. Ils sont partis. Oh, lui là aussi, il exagère. Ils sont partis. Personne n'a rien dit. Ils ont seulement minimisé l'acte. Amen. Amen. Il n'a pas dit, oh non, il va dire aujourd'hui, on ne mangera. Non, non, non. Il a dit seulement, à partir d'aujourd'hui, on ne mangera plus le fruit de cet arbre. Le lendemain matin, alléluia. Amen. Oh. Mais Seigneur, regarde l'arbre que tu avais. Alléluia. Amen. Et il s'est séché lui-même. Amen. C'est pour ça que la maladie qui est en toi séchera elle-même. Amen. Écoutons seulement, alléluia, Amen. L'oracle de l'éternel. Amen. Parce que tout ce qui existe écoute. Amen. Tu peux dire amen à ça. Amen. Ça veut dire si tu as un concert, le concert à l'oreille. Voyez seulement que l'oreille du concert écoute la parole Amen. Du Créateur. Amen. Le concert va sécher. Amen. Et David était pour lui là-bas. Dieu crée toujours les circonstances pour faire accomplir sa parole. On lui dit, va donner à manger à tes frères. En arrivant, il a vu Goliath. Qui peut dire amen à ça? Amen. Il dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais mon frère, c'est compliqué ici. C'est pas fait, toi quitte là. Toi, tu cherches des problèmes toujours. Nous, les vrais soldats, on arrive. Toi, tu viens, mais il parlait au roi. Alléluia. Amen. Qui peut dire amen à ça? Amen. Tous nous, les vrais soldats, on arrive. Toi, tu viens, va là-bas. Il est allé voir, les gens l'ont renseigné. Il a dit, mais si quelqu'un tue ce Philistin, on lui donne quoi? Saoul lui dit, mais je lui donne ma fille. Qui peut dire amen à ça? Amen. Il dit, bon, je vais le tuer. Saoul a pris son épée. Oh, l'épée, c'est le sceptre. Alléluia. Amen. Il a donné à David. Quand David a pris l'épée de Saoul, la Bible dit, il a trouvé que c'était plus pour lui. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que dans cette épée, il n'y avait plus de pouvoir. Amen. Alléluia. C'est-à-dire l'épée de Saoul n'avait plus le commandement. Amen. Si David était parti combattre Goliath avec l'épée de Saoul, il mourait. Amen. Alléluia. Amen. C'était devenu incapable. Amen. Alléluia. Amen. Saoul dit, mais vas-y. Quand il a vu le démarrage, Saoul a dit, arrête d'abord. Amen. Tu es le fils de qui? Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je suis le fils d'Isaï. Non. Saoul avait vu le démarrage royal. Amen. Parce qu'il avait dit, pour faire ce geste, alléluia, amen. Il faut être un roi. Il va dire amen à ça. Les explications de David étaient seulement des astuces. Mais le vrai geste était royal. Amen. Et il a tué Goliath. Quand il a tué Goliath, la parole s'est accomplie. Amen. Il n'était pas encore roi. Les gens commençaient à chanter. Saoul a tué 1000. David a tué 10 000. Amen. Alléluia. Amen. Mais il avait tué seulement une seule personne. Amen. Qui était Goliath. Mais les gens des gens, David a tué 10 000. Saoul n'a tué que 1000.
Ça, il faut avoir un gros cœur, parce que pour avaler ça, c'est pas facile. Alors Saoul a commencé à chercher les problèmes à David. Non, ce n'était pas la faute de Saoul. Saoul, dans son intérieur, il sentait que quelque chose lui a quitté. Alléluia. Amen. Vous savez, un vrai homme de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, si Dieu n'est plus avec lui, il le ressent. Alléluia. Amen. Saoul a dit non, il y a quelque chose qui était en moi, je ne le ressens plus. Mais quand il tourne comme ça, il dit, mais il y a quelque chose dans ses petits. Alléluia. Amen. Mais il faut que je le puisse le tuer. Jonathan ne comprenait pas, mais papa, lui, ce n'est qu'un enfant. Quand tu es malade, il joue à sa harpe, tu es guéri. Mais pourquoi tu cherches des problèmes? Parce que Jonathan n'était jamais roi. Amen. Il ne pouvait pas comprendre cela. Amen. Mais Saoul disait non. Ma chose là, c'est pas visible. Alléluia. Amen. Mais c'est spirituel. Amen. Tu ne peux pas voir ça. Amen. Mais je n'ai plus ça. Et il est mal à l'aise. Alléluia. Amen. Je dis, mais non, mais roi, tu es roi. Il dit, non, mais il y a quelque chose. Mais petit là, toi, tu viens d'où? Alléluia. Amen. Parce que l'accomplissement de la prophétie de Jacob. Amen. Parce que David, il est de la tribu de Juda. Amen. Il fallait que le sceptre de commandement lui soit donné. Alléluia. Amen. Donc nous allons rentrer dans la profondeur de ce message. Juda lui-même, il avait aussi un sceptre. Mais Juda, quand vous lisez dans le livre de Genèse, on écrit le péché de Juda. Ça, c'est l'interprétation selon ce qu'on fait. Il dit le péché de Juda. Non, c'était pas un péché, mais c'était l'ombre d'une prophétie. Juda, il avait un enfant. Son premier fils avait une femme qui s'appelait Tamar. Le mari de Tamar est décédé. Le deuxième fils de Juda a pris Tamar. Il ne voulait pas faire des enfants avec Tamar. Il est aussi décédé. Alors Juda, il peut dire, non, je ne donne pas le troisième. Il a donné seulement une promesse à Tamar. Il dit, quand le troisième grandira, il t'épousera. Alléluia. Amen. Mais Tamar a vu que le temps passait. Cette parole ne s'accomplissait pas. Alors quand Juda est venu de la ville de Tamar, la Bible dit, Tamar s'est déguisée en une prostituée. Alléluia. Amen. Elle s'est couvert la tête. Quand elle s'est mise à l'entrée de la ville, alléluia, Juda passait. Alors, sa femme était morte. Il était dans la consolation. Il avait une prostituée. Alléluia. Amen. Il est allé envers la prostituée. Sans savoir que la prostituée était Tamar. Alors, quand il a fini avec la prostituée, Dieu est le maître des circonstances et des temps. Certains péchés que les gens font sont en train de faire. Ces péchés sont de la volonté de Dieu. Alléluia. Il n'avait rien aussi à donner à la prostituée. La prostituée dit, bon, si c'est comme ça, il faut me donner quelque chose comme gage. Je lui ai dit, mais je veux que je donne quoi? Il donne-moi ton sceptre. Alléluia. Amen. Qui veut dire la même à ça? Amen. Il dit, donne-moi le sceptre. Donne-moi ton cordon. Ta mère a pris ça. Juda est parti. Juda a dit à son ami, prends cet argent. Va à l'entrée de la ville. Tu verras une prostituée qui est là. Tu lui remets mon argent et tu récupères mon sceptre. Son ami est allé avec l'argent, il arrive comme ça. Il dit, je cherche une prostituée. Non, ici, il n'y a jamais eu de prostituée. Alléluia. Amen. Ça, je souhaite expliquer l'histoire pour que les gens comprennent. Il n'y a pas eu de prostituée ici. Oh. Mais bon, il est allé voir. Je lui dis, mais je suis allé là-bas. Je n'ai pas vu de prostituée. Prends ton argent. Il dit, bon, on s'en fout. Il a gardé son bâton. Alléluia. Amen. Ta mère était enceinte. Quand le ventre est sorti, Juda, il faut qu'on dise ça pour que tu aies Tamar. Tamar, elle a commis l'impudicité. Elle était encore mariée à mon enfant. Mais elle est allée avec un autre homme.
soit lapidé. Qui peut dire amen à ça? Amen. Les gens sont venus, on va la lapider. C'était comme ça. Tamar dit, bon, on dit, Tamar, tu as quelque chose à dire avant qu'on puisse te lapider parce que tu as commis un péché. La trace de l'homme sur la jeune femme, ça ne se fait pas voir. Mais si c'est une grossesse, ça devient visible. Alléluia. Amen. Il dit d'abord qu'il faut qu'on puisse se lapider. Tamar dit, bon, j'ai pas de problème, je vais accepter ma sentence. Mais je voudrais seulement vous montrer aussi la personne avec laquelle j'ai commis l'adultère. Alléluia. Amen. Parce que l'adultère, ça se commet à deux. Alléluia. Amen. Nous avons toujours tendance à accuser les femmes. Oh, la femme adultère, voilà, elle a commis l'adultère avec qui? Amen. Alléluia. Amen. Mais comment vous voulez savoir l'appuyer la femme adultère? Mais où est l'homme adultère? Hein? Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'on suspend quelqu'un qui a commis l'adultère ou l'impudicité à l'église. Il faut le suspendre à deux. Amen. Pas seulement la femme. Alléluia. Amen. C'est la misogynie, ça. Allez. Ta mère dit bon. Cet homme, il est parmi nous. Hein? C'est qui? Hein? C'est qui? C'est qui? Hein? C'est qui? C'est qui? Il dit bon. Ce bâton appartient au père de mon bébé. Amen. Calme. Judas fait ce mot comme vous savez. Alléluia. Amen. Vous savez, s'il y a une chose que j'aime jamais dans la vie, c'est la honte, frère. Amen. Je sais pas, moi je préfère même la douleur que la honte. Amen. Je n'ai jamais compris. Les gens qui disent qu'au Congo, les ridicules ne tuent pas. Mais moi, je trouve que les ridicules tuent. Amen. La honte, imagine tout ce monde-là. Tu as honte devant eux. Amen. Je vais faire une semaine, je vais que les insomnies. Quand je dors, était rentré avec vous, ça aussi. Hein. Alléluia. Amen. Mais, vous savez, Judas, quelle honte. On dit, ah, mais ça, c'est quel beau père, lui aussi. Ah. Vraiment. Allez avec. Ah, pourquoi on est venu? Ah, vous savez, les gens qui sont toujours excités là, pour lapider. Bon, j'ai accepté. Alléluia. Amen. Non, c'était la révélation. Amen. Parce que Jacob a dit, tu es un jeune lion. Le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des aigles ici? Amen. Alléluia. Parce que l'aigle a la capacité de perforer la feuille. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce qui est écrit ici ne donne pas la vie. Amen. Pour donner la vie, il faut perforer ça. Amen. Prendre ce qui est dedans. Amen. C'est ce qui donne la vie. Amen. Si ça, ça donne la vie, même les catholiques donnent la vie. Amen. Parce que et les catholiques, et les protestants, et les kimbanguistes, et les mamans en langue, les témoins de Jéhovah, on lit les mêmes paroles. Amen. Qui peut dire amen à ça? Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire quand Jésus est ressuscité, chez les catholiques aussi, on lit Jésus est ressuscité. Amen. Mais ce qui change, c'est qu'il faut perforer la feuille. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des églises ici? Amen. Il dit le lion de la tribu de Juda. Amen. Vous voyez, il a dit que ton âne sera attaché à un cèpe. Alléluia. Amen. Or, le vrai lion de la tribu de Juda, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Avant d'aller à Jérusalem, il a dit, allez prendre mon âne qui est attaché. Amen. Qui avait attaché l'âne. Alléluia. Amen. C'était la prophétie. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on lit la Bible, hein, il faut perforer. Amen. Alors, pourquoi Juda est allé avec Tamar? Parce que Tamar était une femme des nations. Amen. Tamar était une église. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ de Nazareth, lui le vrai lion de la tribu de Juda, devait prendre comme épouse la femme des nations. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, nous la femme des nations, amen, nous sommes enceintes de Jésus-Christ. Amen. Quand l'ange du séjour de la mort viendra, il dit, je sais, je vais te tuer. Amen. Il dit, pourquoi? Tu avais commis l'impudicité. Tu avais insulté. Tu avais fait ceci. Tu avais enlevé les grossesses. Tu avais fait ceci. Je prends le gage qui est le sceptre de commandement. Qui est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia.
Mais j'ai ce bâton. Alléluia. Ça, c'est la vraie parole, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est la parole. Nous sommes les Tamar. Non, je suis Tamar. Même si je suis mauvaise, mais je porte sur moi le marque du Christ. Paul a dit que personne ne me fasse la paix. Tout ça, tout le monde me dit, ah, Paul est là. Ah, Paul est là. De toute façon, il n'est pas Paul, il est Saul. Alléluia. Amen. Vous savez, on commence à chercher les noms anciens là. Et les noms que tu fais dans le monde là. Ah, il est Saul, de toutes les façons. C'est lui qui persécutait l'église, non, il veut montrer quoi. Ah, même à arrêter les révélations, quitte là. Et lui, il est pareil, il est Paul là, il est qui? Il dit, que personne ne me fasse encore de la paix. Quand je porte sur moi les marques du Christ. Amen. Quand on parle de marques, ça veut dire les signes. Alléluia. Amen. Ça veut dire Christ a signé et cacheté Amen. Dans le cœur de Paul. Alléluia. Amen. Parce que Tamar avait pris trois choses. Alléluia. Amen. Il avait pris le bâton. Il a pris le cordon rouge. Et il a pris le seau. Le cachet. Alléluia. Amen. Donc le cachet qu'on a mis. Boum. Cachet de visa. Amen. Tu es à l'immigration. Amen. Même si tu ne m'aimes pas. Mais j'ai déjà le cachet. Amen. Je dis bon, moi j'aime pas le frère Alberto. Je suis douanier. À l'aéroport d'Afrique. J'ai petit on a besoin d'aéroport au monde. Le jour où je te traverai à l'aéroport, tu verras. Oui, tu peux, si tu viens à l'aéroport comme ça, il va t'attraper et te mettre en prison. Mais je te donne le visa des États-Unis. Qui peut dire amen à ça? Amen. La carte verte. Alléluia. Amen. Si tu viens, tu dis, oh petit, tu ne passe pas ici. Et non, viens, j'ai pas de problème avec toi. Non, ne passe pas. C'est moi qui travaille ici. Tu dis, j'ai la carte verte des États-Unis. Amen. Alléluia. Amen. Même si je suis encore au Congo, je suis résident américain. Amen. Amen. Si tu continues, je vais appeler l'ambassade. Amen. Alléluia. Amen. Oh, l'ambassade des États-Unis partout au monde, il traite directement avec le président de la République. Amen. Les autres ambassadeurs traitent avec le ministre des Affaires étrangères, le ministre de ceci, oh lui là, le secrétaire d'État. L'ambassadeur des États-Unis, il traite directement avec le président de la République. Amen. Il n'y a pas d'intermédiaire. Dis bon, moi je suis citoyen américain, résident, j'ai la carte verte. Je vais aller là où je dois habiter. Donc, même si j'étais général, alléluia. Parce que là où tu vas, je ne suis jamais allé. Alléluia. Donc nous aussi, nous portons les marques du Christ. Amen. Donc même si un démon est contre toi, alléluia. Amen. Oh, la maladie est contre toi, présente-lui le visa du ciel. Amen. 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 Maladie, je sais que tu existes. Parce que ce corps avait péché, il est malade. Amen. Mais je porte sur moi le marque du Christ. Amen. Parce que lui, il a dit, par ses mercusilles, nous sommes déjà guéris. Laisse-moi passer. Je suis citoyen du ciel. Alléluia. La maladie elle-même. Mais les citoyens du ciel ici vivent comme les terrestres. Alléluia. Amen. Oh, le bâton des commandements et entre la main de l'épouse. C'est un problème de vie ou de mort. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de gens blaguent avec les églises aujourd'hui. Amen. Le problème des proies, c'est le problème de vie ou de mort. Amen. Ou tu pars en enfer ou tu pars au ciel. Amen. Mais les gens commencent à danser une domaine avec ça, faire des théâtres. Non, c'est pas un problème de théâtre ici. Ils sont parlés du royaume des cieux. Amen. Parce qu'il faut donner la vie aux gens. Amen. Et ces gens-là ne nous appartiennent pas. Amen. C'est l'épouse du Seigneur qui a envoyé. Amen. Je suis pour moi un gars, un simple nec. Alléluia. Amen. Mon travail est d'entretenir. Mais
faut bien entretenir la femme du roi. C'est un problème de vie ou de mort. C'est pour cela Esther avait dit. Alléluia. Amen. Il dit, vous me demandez quelque chose de difficile. Allez rencontrer le roi. Mais c'est un problème. Parce que c'est le roi qui nous, doit nous appeler. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il a appelé les uns comme apôtres, évangélistes. Mais il y a des gens. Il viendra. Le roi même s'il n'a pas appelé. Alléluia. Amen. Alors Esther a dit, vous me demandez quelque chose de difficile. C'est un problème de vie ou de mort. Il dit, bon, prions avec moi. 3 jours de jeûne. Il dit, bon, je vais avec la foi. Amen. Où je meurs, où je vis. Quand Esther est venue, elle a frappé à la porte. Le roi dit, qui c'est? Il dit, je suis la reine Esther. La Bible dit, le simple de commandement. Tu peux dire amen à ça? Amen. Il a tendu ça à Esther. Esther a pris le simple de commandement. Alléluia. Amen. Il dit, que fais-tu ma reine? Même la moitié de mon royaume, je te donnerai. En ce moment-là, si Esther disait, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus roi, il ne serait plus roi. Amen. Parce qu'il épouse avec tous les pouvoirs en main. Alléluia. Amen. C'est pour cela Apocalypse dit, tous les pouvoirs du royaume de sa terre a été donné au Christ Jésus. Alléluia. Amen. Et Christ et Jésus nous l'a donné. Amen. Même ici, ils sont en train de régner. Ils sont dans la position de Saoul. Amen. Amen. Même ici à Grenoble, ici, le simple de commandement, j'ai appris déjà. Il a donné entre les mains de l'épouse. Amen. Que ce soit les francs-maçons, les rosicriciens, les ceci, les cela, ils ne vont plus régner dans cette vie. Amen. Alléluia. Amen. L'épouse du Seigneur doit commencer à régner dans cette vie. Amen. Faire des campagnes d'évangélisation. Pour transformer cette vie. Alléluia. Amen. Le temps est déjà venu. Amen. Esther a pris le bâton. Il dit, non, mon roi, ne me demande pas tout ça. Je veux seulement que tu puisses sauver mon peuple. Alléluia. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Amen. Esther a reçu le bâton du roi et tous les juifs étaient épargnés. Et celui qui cherchait la tête des juifs, il a fini, Aman, il a fini pendu. Ça veut dire, celui qui cherche le mal de l'épouse, le mal là lui arrivera lui-même. Amen. C'est pour cela, ne disputez rien. Même si quelqu'un te fait les problèmes, la guerre, gardez silence. Amen. L'Éternel combattra pour vous. Mardoché avait gardé silence, frère. Mardoché devant toi, moi, tu me cherches les problèmes. Moi, je t'ai fait quoi? Eh? Non, toi, tu es rancunier. Depuis que tu es venu, non, il est resté tranquille. Aman a fait des problèmes, des stratégies, tout. Mardoché restait pour lui tranquille. Amen. Il priait seulement. Ah, le Dieu d'Israël. Tu ne peux pas oublier nous, notre peuple. Oh, Jésus-Christ, tu peux m'oublier, moi, Gislain. Ton serviteur, né dans la forêt équatoriale. Tu as mené en France. Je ne peux pas oublier. Alléluia. Amen. En combat, on fait ceci. Mais Dieu était en train de transformer le pouvoir. De la même façon, le sceptre du premier ministre qui était dans les mains d'Aman, qui peut dire amen à ça? Amen. Je l'ai arraché. Il a donné dans les mains de Mardoché. Alors que Mardoché était encore sentinelle. Qui peut dire amen à ça? Amen. Il était en train de garder le portail encore. Aman, premier ministre. Non, chef, c'est comme ça, c'est comme ça. Un jour, alléluia! Amen. Comme Dieu avait déjà arraché les sceptres. Le roi a eu l'insomnie. Amen. Il dit, bah, tu n'arrives pas à dormir là. Mettez la musique douce. On met la musique douce, la tension monte encore arrêtée. Bon. Bon, lisez-moi un peu le livre de Souvenirs du royaume. Alléluia. Amen. C'est là où Dieu amène les lecteurs dans la page de Mardoché. Je te dis aujourd'hui, Amen. Les lecteurs de Souvenirs célestes. Amen. Va tomber dans la page de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il ouvre comme ça. Poum. Telle date, telle heure.
il y a un homme qu'on appelle Mardoché. Alléluia. Amen. Il a sauvé le roi d'un complot qui était mortel. Arrête. Qui est devenu ce Mardoché? Le roi, il a toujours porté. Il dit non. Mais ma tête était partie où? Alléluia. Bien aimé, le Seigneur va se souvenir de toi. Amen. Il dit bon, merci, l'esprit, merci. Il a appelé son premier conseiller. Il dit bon, appelle-moi Aman. Aman est venu. Je le respecte. C'est ce que j'ai dit, les ajustements protocolaires. Hein? La chance de Mardoché est placée d'abord par Aman. Alléluia. Amen. Il dit bon, roi, je suis là. Il dit Aman. Tu sais, vous savez, un chef, quand il veut dire quelque chose à quelqu'un, il aime toujours à le donner des espoirs. Quoi. Tu sais, j'ai beaucoup confiance en toi. Depuis que j'ai commencé ce royaume, je n'ai pas eu un collaborateur comme toi. Je vous remercie pour tous les loyaux services. Mais je vais élever encore quelqu'un. Alléluia. Amen. Je vais élever quelqu'un encore plus haut, plus haut, plus haut. Bon, moi je suis à court d'idées. Que dois-je faire pour élever quelqu'un? Pour que tout le monde sache que je l'ai élevé. Amen. Amen. Oh, c'est simple. Lui croyait que c'était lui. Oh, c'est simple. Tu prends ton meilleur cheval. Que personne d'autre n'ait monté. Tu mets la personne là-dessus. Prends le bâton. Alléluia. Le commandement. Tu lui donnes en main. Et tu prends un autre serviteur élevé, connu aussi, qu'il puisse tirer le cheval et en criant avec un mégaphone. Voici comment le roi élève quelqu'un. Voici comment le roi élève quelqu'un. Dieu, il va parcourir tous les royaumes. Alléluia. Amen. Non, Aman était sorcier. Le roi dit bon, c'est une très bonne idée. Toi, fais-le pour Mardoché. Ah. Moi, je pense que le jour là, Aman, quand il sortait, c'était pour lui. La sueur chaude tombait sur son visage. Bien aimé, ceux qui veulent t'humilier, Dieu va les humilier. Amen. Et dans cette ville de Grenoble là, Dieu va te lever ici. Dit ici. Alléluia. Amen. Jésus était enterré à Jérusalem, il est ressuscité à Jérusalem. Amen. Si on t'a enterré à Grenoble, tu dois ressusciter à Grenoble. Amen. Si on t'a humilié à Grenoble, tu dois être élevé à Grenoble. Amen. Si l'homme que le roi est élevé, si l'homme que le roi... Non, fais ça bien, tu ne fais pas ça bien. Il y a ma femme, écoutez mon frère. Non, frère. Voici l'homme que le roi a élevé. Tes ennemis deviendront des marchés. Yeah. Alléluia. Amen. Bon, je m'arrête là parce que le temps est passé. Amen. On garde encore la vraie nourriture. Amen. La maison, s'il y a trop de nourriture, les gens ne vont pas donner l'importance. Amen. Il y a une maison où il y a peu de nourriture, mais les enfants, quand arrive le 25 là, les goûter devient spécial. Amen. 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 Mais quand c'est plein, ils ne s'occupent pas. Amen. Mais quand on a plein, donc on s'arrête là aujourd'hui. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.